Il faut que les banques leur expliquent tous les avantages qu'ils ont à utiliser nos cartes. Les avantages en termes de sécurité, les avantages en termes de traçabilité des transactions, les avantages en termes de praticabilité du moyen de paiement. Tout ça doit être expliqué aux porteurs dans cette période pour les inciter à payer. Premier point. Deuxième point, c'est l'expérience client. Parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça au client. Et puis, lorsque le client va vouloir opérer son paiement et avoir des écueils. Donc, il faut nécessairement par derrière que les banques puissent assurer le support. Il faut s'assurer que les TPE marchent bien. Il faut s'assurer que les liaisons de communication marchent bien. Il faut s'assurer que lorsque le client a un problème, qu'il y ait un support réactif. Mais du côté du marchand aussi, il faut leur dire qu'ils ont intérêt à ce que le client paye par la carte. Déjà, c'est un accroissement du chiffre d'affaires. Aussi, c'est une sécurité. Parce que lorsque on gère beaucoup de cash, on est enclin à des problèmes de sécurité. Maintenant, il faut dire aussi que c'est une économie plus haute. Parce que lorsqu'on paye par carte, il n'y a plus l'acheminement du cash à la banque. Donc les commerçants doivent comprendre qu'eux aussi, ils ont tout intérêt à booster tout ce qui est paiement par carte. Les activités porteront entre autres sur la promotion du retrait interbancaire devant les agences bancaires. Donc il y aura des agences qui sont déjà identifiées. Donc il y aura des commerciaux au niveau des agences qui pourront expliquer aux porteurs, aujourd'hui quand on parle de porteurs, c'est les clients, aux porteurs de cartes, l'utilité de l'interbancarité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui que beaucoup de personnes ne savent pas en fait qu'avec leur carte, ils peuvent faire des retraits sur une banque juste qui est beaucoup plus à proximité. Pour la promotion aussi sur les lieux de certains commerçants, il y aura des commerçants qui seront identifiés et au-devant de ces commerçants-là, il y aura la possibilité de faire des retraits. Et ça aussi, c'est le but de cette campagne. Nous espérons en fait que cette animation commerciale portera ses fruits et nous en demandons vraiment à l'implication de toutes les parties pour une grande réussite. L'objectif, franchement, c'est pour nous de permettre à un client qui va acheter son pain de le faire avec sa carte bancaire. Ça va régler considérablement les problèmes de monnaie auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Parce que nous aussi, nous sommes des clients, nous effectuons des transactions. Donc, comme dit le spot, soyons fiers de ce qui nous appartient. Donc, il y a un gros effort à faire quand même côté GIM, c'est de mieux se faire connaître au niveau de la place du Sénégal, mais également dans la zone Eumoa.